au cœur des Invalides, dans son mausolée de quartzite rouge, voici le tombeau de Napoléon. Mais l'empereur est-il vraiment enterré ici? Depuis 1969 et le bicentenaire de sa naissance, la théorie de la substitution s'est immiscée dans les esprits. Les Anglais n'auraient pas rendu la bonne dépouille à la France. Une théorie développée à l'époque par un journaliste, Georges Rétif de la Bretonne. Rétif de la Bretonne, on va dire, surfe sur cet événement du bicentenaire de la naissance pour se dire, bah, finalement, quelles sont les conditions de la mort? Et on le sait bien, des historiens qui peuvent être mal intentionnés ou qui peuvent contourner les choses, lorsqu'il y a des points d'interrogation, eh bien, ils remplissent avec des choses qui sont peut-être de leur imaginaire ou des choses qui ne sont pas forcément avérées. Une thèse rendue possible par les différences dans les récits des proches de l'empereur lors de sa mort, le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène. Il est alors enterré dans 3 cercueils, dont un étanche, et il faudra attendre 19 ans pour que l'Angleterre accepte le retour de l'empereur en France, conformément à ses dernières volontés. Mais en 1840, les Français récupèrent un corps enseveli dans 4 cercueils, l'une des différences qui fera naître le doute, une thèse désormais fantaisiste pour les historiens. Toute cette petite différence sur la position du chapeau, la position, les médailles, etc., la position des vases contenant le cœur et l'estomac, tout ça, ça a été exploité pour construire cette histoire de substitution. À Sainte-Hélène, lorsque le tombeau a été ouvert, personne n'a eu le moindre doute. Il y avait presque 10 personnes qui avaient vu l'empereur, qui le connaissaient, qui l'avaient accompagné à Sainte-Hélène. Aucun d'entre eux n'a dit « c'est quelqu'un d'autre ». Au contraire, ils ont tous été stupéfaits par la préservation des traits de l'empereur. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer la tombe de Napoléon. Comme Saint-Denis l'est pour les rois, les Invalides sont devenus le tombeau de l'Empire. Thank you.